Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et aujourd'hui on continue avec la partie 3 du journal de Saint-Valentin. Et là, en ce moment, je vais faire la reliure supposément flottante. Donc le flottant, c'est que elle va être installée sur chaque côté de la reliure. Et donc elle ne sera pas collée complètement. Ce qui va donner l'occasion aux signatures de rester plus à plat au lieu d'être surélevées. Donc, la partie du milieu ne sera pas collée. C'est chaque côté de la reliure invisible qui va être collée au journal. Je vais aussi faire mes signatures avec des élastiques. Donc, avec les œillets, en ce moment, je vais solidifier où va passer les élastiques. Et je vais pouvoir, comme ça, enlever et remettre des signatures une fois qu'elles seront trop usées ou que je voudrais en mettre des nouvelles avec peut-être rien dedans ou d'autres souvenirs. Je vais rajouter une bande de tissu pour faire une plus belle finition entre le journal et la reliure surélevée. Ici, je vais mettre du scotch tape par-dessus les languettes pour les empêcher de bouger quand que je vais utiliser le journal. Je vais faire ici une chute de papier, donc ce qu'on appelle en anglais une waterfall. Alors, je vais
vas commencer par mettre un papier décoratif. Ici, je pensais aussi mettre un genre de petit carnet de notes. Puis finalement, le carnet de notes, je vais le faire, mais il va atterrir dans la grande enveloppe. J'ai pris ici les retailles des papiers que j'ai coupés avec la règle pour faire justement le bout du carnet de notes. Et avec des agrafes, je vais les assembler ensemble. Alors ici, j'ai pris des papiers que j'ai coupés à la grandeur que je voulais. Je vais aussi les placer à 3 pouces de longueur, si on peut dire, pour que chaque morceau de la chute de papier soit de 3 pouces, moins la petite languette pour les attacher au carnet. Ça va faire plus de sens quand vous allez le voir. J'ai pris à peu près un quart de pouce pour faire la languette. Alors ici, je ne vous donne pas vraiment toutes les dimensions parce que dépendamment de votre journal ou de la grandeur que vous avez comme papier, vous pouvez les faire plus grandes, plus longues, c'est vraiment à votre discrétion. J'ai aussi coupé les coins pour faire une plus belle finition à l'intérieur, malgré que je vais aussi mettre mon papier en collant en or qu'on voit sur le côté à droite, plutôt à gauche.
Alors, je vais placer ce ruban de dentelle pour faire la fermeture. J'aime bien ce genre de fermeture pour la chute de papier comme ça. Je vais y mettre aussi un beau petit cœur avec du velcro pour qu'il puisse bien se fermer au bas du journal. Alors, je me suis fait des guides pour aller le plus droit possible. Finalement, j'ai été un peu croche, mais c'est pas grave. On fait pas du vrai scrapbooking, donc j'ai pas besoin que ce soit pile poil au niveau. J'ai aussi arrondi mes coins parce que je trouvais que le coin carré, justement, c'était pas assez cute. Ici, j'ai mon papier, justement, que j'ai acheté au Dollarama. C'est très mince comme papier, finalement. C'est vraiment, vraiment mince. Je pensais que ça allait être plus épais. Et finalement, j'en ai fait pour la décoration de l'intérieur, comme ça. Ça donne un beau petit fini. J'ai rajouté aussi une page de plus à la deuxième signature parce que j'aimais pas la devanture. Et là, je vais faire avec des freebies de Line Dot Arrow la décoration du dessus. C'est vraiment étonnant, les morceaux de livres comme ça, comment est-ce que ça égaye une photo. La devanture change, ça devient vraiment vieillot, vintage.
J'en profite aussi pour placer d'autres éléments dans la signature. Tranquillement, pas vite, je la décore. Alors ici, je fais un petit cluster avec les papiers que j'ai du journal, les papiers qui restent. Avec de la chance, je vais toutes les passer. Ça va justement cacher un peu l'oiseau qui n'a pas rapport dans ma... sur ma feuille. Les morceaux de papier comme ça qui sont un peu plus larges, je peux les utiliser pour faire des petites pochettes. Alors comme c'est quand même un journal éclectique, j'ai pas vraiment un kit digital coordonné pour le faire. Je peux quand même mettre ce que je veux. Ici, je vais commencer à avoir mes étampes. Alors ça aussi, c'est un décalque du Dollarama finalement. Ça venait en paquet de 3-4 et j'ai décidé de prendre celui-là parce qu'il y avait quand même beaucoup de fleurs, des décorations en forme de cœur aussi. Et mon petit pinceau, là, c'est un pinceau qu'on achète habituellement pour le maquillage, mais que maintenant ils vendent pour l'artisanat. Et c'est magnifique comme rendu pour faire ce genre de petits détails dans les cahiers. Et on n'a pas besoin d'acheter les gros, vraiment, les petits comme ça, ça fait en masse le travail, surtout pour les stencils.
maintenant que j'ai décoré quand même avec un certain minimum, mais avec quelques attraits, on va faire la couture. Donc la couture, dans le fond, c'est pas vraiment une couture, mais c'est on va coudre à trois trous la signature ensemble, donc le livret, pour pas qu'il puisse se défaire partout. Donc, on va faire trois trous et on va passer dans le milieu, en haut. On va ensuite aller en bas pour revenir dans le milieu en faisant attention de ne pas rentrer l'aiguille dans le fil. Et c'est facile comme ça. Ensuite, on fait un nœud avec les deux morceaux, les deux morceaux libres et puis autour de celle-là qui fait la longueur à l'intérieur de la signature. Encore une fois, ça aura plus d'allure quand vous allez le voir faire. Puis j'utilise aussi ce qu'on appelle la corde à boucher, à boucherie, mais dans le fond, on ne l'utilise pas pour ça, qui est blanche et rouge. Alors maintenant, il me reste juste à les placer dans les élastiques. J'aimerais beaucoup vous remercier à tout le monde, surtout à Sylvie qui me donne beaucoup de conseils sur les vidéos. J'aime beaucoup en avoir des conseils parce que quand on commence, c'est vraiment pas évident. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma série de vidéos pour la Saint-Valentin. Et j'espère qu'on va se revoir dans d'autres vidéos. Ah oui, il ne faut pas oublier aussi le petit pendentif de cœur que je vais placer avec une bulb pin. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Et on va se revoir pour les prochaines vidéos. Je vais probablement en mettre moins en ligne parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et je travaille encore à temps plein. Alors, je vais me donner, comment on pourrait dire, un peu de temps. Alors, à la prochaine! Au revoir!